بسم الله, بسم الله الحمد لله الحمد لله فهمته الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله العظيم لا حول ولا قوه ولا إلا, بالله الا بالله اللهم صل على محمد, على محمد وعلى, وعلى ال محمد, آل محمد, آل محمد استغفر الله Donc les enfants, ces paroles que l'on vient de répéter ensemble, chacun doit les connaître, doit les apprendre, et toute la journée, toute la nuit, tout le temps, toute ta vie, tu remplis ton temps en répétant ces paroles, et tu gagneras des montagnes et des montagnes de hasanat. Alors, dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur la dernière sourate du Coran. C'est laquelle la dernière surah du Coran Qasim Ahsanta barakallahu fiqa. C'est surah Al-Nas. Répétez surah Al-Nas. Qui connaît surah Al-Nas Très très bien. Ceux qui ne la connaissent pas, c'est important de l'écouter et de demander à vos parents de vous l'enseigner ou de demander à votre moallim ou moallima de vous l'enseigner. D'accord Suratunnas, il est important de la comprendre. Déjà, les enfants, retenez quelques points. Tu les retiens toute ta vie, ça va être, ça va être profitable. Premièrement, Suratunnas c'est une invocation. Comme la Fatiha c'est une invocation. La Fatiha c'est la première sourate du Coran. Suratunnas c'est la dernière sourate du Coran. Dans la Fatiha, tu demandes des choses à Allah. Tu dis, Ihdina al mustaqim » Toute la fatiha, c'est une invocation. Tu demandes à Allah Azza wa de te guider vers le droit chemin. Et, Surat al-Nas, toute cette Surat, c'est une invocation. Donc Allah, il a commencé le livre par une invocation et il a terminé son livre par une invocation. Cela nous prouve quoi, Loujain? L'importance de l'invocation. Ça nous prouve l'importance de faire des dômes. Ensuite, Allah tabaraka wa taala il dit: a'udhu bi Dis, je cherche protection auprès de qui? Qui peut te protéger? C'est Allah. Allah subhanahu wa taala c'est Rabbo le Seigneur de tous les gens. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui gère tout. Il contrôle tout. Il sait tout. Il voit tout. Subhanahu wa ta'ala. c'est Allah Azza wa jall, le roi des gens. C'est le roi de tous les rois. Le roi de tous les gens. Subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala. C'est la divinité. De tout le monde, c'est le seul qui mérite d'être adoré. C'est le seul qui mérite d'être oui. en vérité. Subhanahu wa Alors là, tu demandes à Allah, en citant les trois catégories d'unicité d'Allah, tu demandes à Allah de te protéger. Tu demandes à Allah de te protéger contre qui Min il khannas contre le mal du waswas -was et du khannas c'est qui le waswas -was et c'est qui le khannas le mauvais conseiller furtif c'est qui on parle de qui Chaitan. on parle du shaitan shaitan il est comment shaitan il est Méchant. waswas waswas -was, ça veut dire il te il te conseille. Lui, shaitan, il n'a pas de puissance. Il n'est pas fort. Simplement, qu'est-ce qu'il va faire Il va t'insuffler. Il va te t'insuffler. Et toi, si tu es faible, tu vas l'écouter. Il va te dire de faire une bêtise, mais lui, lui, il peut rien faire. Juste, il te dit. Il t'incite, fais cela, tu devrais faire cela, tu devrais dire cela, tu devrais t'énerver, tu devrais le frapper, tu devrais voler, tu devrais manger pendant le, la journée de Ramadan, etc. Il va te dire de faire des choses. Toi, si tu l'écoutes... Et ben dans ce cas-là il devient west wes Il va au plus où tu l'écoutes, au plus où il va t'insuffler des mauvaises choses. Mais si tu te rappelles d'Allah, si tu récites cette sourate, si tu dis "A'udhu billahi minash rajim", eh ben il devient comment Il devient khannas. Vous savez ça, ça veut dire quoi khannas Furtif. Ça veut dire furtif. Ça veut dire il part vite. C'est pour cela que le prophète, alayhi salat wa il nous informe que lorsque tu te rappelles d'Allah, shaitan il devient plus petit que quoi Qu'une mouche. Il est tout petit. T'as vu une mouche quand elle vient T'as pas besoin d'hurler sur elle pour qu'elle part. Juste tu fais ça, elle part. La même chose avec shaitan. Lorsque shaitan, lorsque shaitan, il, il t'insuffle des mauvaises choses, qu'est-ce que tu fais tu, tu te rappelles d'Allah, tu récites le Coran, tu dis a'oudhou billahi minash-shaytanir-rajim, tu fais ces deux « là, c'est tu récites cela et là Allah tabaraka wa ta'ala, Allah azza wa jalla, il va te protéger contre le Shaytan. Ce shaitan, il souffle dans les poitrines des hommes. C'est-à-dire, comme on a dit, il te donne des mauvaises idées. Il te donne des mauvaises croyances, des mauvaises réflexions. Et ce shaitan, il peut être parmi les djinns comme parmi les êtres humains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des êtres humains qui ressemblent au shaitan. Comment Pas physiquement, mais dans les choses qu'ils font. Il y a des gens qui vont t'appeler à faire des mauvaises choses. Il va t'appeler à faire des bêtises. Dans ce cas-là, tu dois t'écarter. Tu, tu ne dois pas écouter les mauvaises personnes, les mauvaises personnes qui vont t'appeler à faire du mal. D'accord, les enfants Qui connaît Surat Nas Qui connaît Surat Nas Qui veut réciter Surat Nas Vas-y bien, Ayub. Bah, t'as levé ta main pour réciter Tu veux réciter ou pas non, viens Mohamed. Là, ici derrière, là. là. Vas-y. Tu peux baisser ton masque. Vas-y, Vas on t'écoute. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس Donc, les enfants, on s'arrête ici pour le cours d'aujourd'hui. Et, inshallah, on se revoit la semaine prochaine.